Scheherazade. Alors, vous me demandez qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Donc là, vous avez du chocolat blanc, du chocolat noir. Moi, j'ai pris du chocolat noir. Après, il y en a, vous pouvez le faire aussi avec du chocolat au lait. Il y a des dattes et des noix. Donc, et de la poudre colorante. Donc, vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire avec. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Je vais faire des chocodettes. Les chocodettes, c'est des dattes fourrées au chocolat. Quoi, enrobées de chocolat plutôt. À l'intérieur, je vais mettre des noix. Alors, je les ai déjà préparées. Regardez, ils sont déjà dénoyautés. Donc, je vais mettre une noix à l'intérieur. Quoi qu'on peut aussi mettre des amandes. Vous me dites ce que vous voulez, des amandes, des noisettes, des raisins secs. Vous mettez ce que vous voulez. Et vous fermez et vous l'enrobez dans du chocolat. Et pour la déco, je vais mettre de la poudre colorante. Pardon. Alors, مرحبا بكم عند لي ريسيب دو شهرزاد. اشنو غادي ندير اليوم؟ غادي ندير تمر بالشوكولا. الشوكولا الابيض والشوكولا الكحل. ديجا قلعت لهم هذاك العظام داخل، كنت وجدتهما بعدا ها هما. وغادي نديرهم القرقع داخل وغادي نديرهم الشوكولا. Alors cette semaine il y aura beaucoup de recettes parce qu'on est en train de préparer le mariage de mon petit neveu. Donc vous allez suivre avec moi toutes les étapes de la préparation du mariage, inchallah il akteb. Donc moi, chacune d'entre nous va préparer quelque chose. Moi, j'ai décidé de faire des chocodettes et de faire des mini msemen. Voilà. Donc chacune va préparer quelque chose et vous verrez tout au long de la semaine des recettes. Donc voilà. J'espère que cette recette va vous plaire et je vais aller fondre le chocolat au micro-ondes, les deux, et je vais les remplir de noix et je vais les enrober de chocolat. Voilà, donc là je vais aller les fondre au micro-ondes et je reviens vers vous. Adin mchindo hum fi micro-ondes, inshallah, ou nouli narjah inshallah. Allez, salam alaikum, à tout de suite. Salam alaikum, alors voilà, me revoilà. Oulit, ahwa doubt chocolat bihli, chocolat blanc. Et le chocolat noir, les noix sont là et les dattes sont là. Donc là, dans un premier temps, je vais prendre les dattes, je vais mettre une noix à l'intérieur. Celle-là est trop grande. Voilà, je vais mettre une noix à l'intérieur et je vais bien la fermer. Voilà. Je vais prendre le petit pic ici et je vais le tremper dans le chocolat. Et ensuite, je vais les poser sur la plaque. Ici. Voilà. Et là, on refait la même manipulation. Je prends les dattes. Hop. Je ferme bien. Je pique ici et je le trempe dans le chocolat. Voilà. Et je le pose sur la plaque. Thank you.
alors voilà, les chocodettes ont bien durci avec le chocolat. Voilà, alors, donc, la poudre alimentaire. Je vais mettre de la poudre alimentaire. Donc là, je vais mettre bien sur les chocodettes. Voilà. Alors, j'ai pris trois couleurs. Or, rose et or rose, les deux. Et rose. Donc là j'en mets bien partout. Ah, il y a un petit trou ici, il y a un petit défaut. Voilà. Voilà. Alors chaque pinceau a sa poudre parce que j'ai pas envie de mélanger. Voilà, donc là je vais faire le deuxième. C'est pas pareil les couleurs. On dégagne dès l'homme la poudre. Donc là, je continue. Ensuite, donc il y a or rose. Or, ça c'est or. Oui, celui-là c'est or. Celui-là c'est or rose. Et là, c'est le rubis. Voilà. Joli, je trouve, à mettre en décoration comme ça sur le chocolat. Alors là c'est sur le chocolat noir et après je vais mettre sur le chocolat blanc. Donc là, dès qu'on a terminé, je vais prendre les petites caissettes et je les mets à l'intérieur. Ça fait un peu plus joli comme ça. Ouais, ça c'est or. Ensuite, il y a le or rose. Voilà. Et le rubis. Voilà, ça c'est le rubis. Là, je vais faire avec le chocolat blanc et je reviens vers vous. On va faire avec le chocolat blanc. Voilà. Je touche pas trop parce qu'ils ont tendance à vite fondre avec les mains. Donc on essaye de pas trop les toucher. Voilà. Voilà. Okay, je me trompe pas avec la poudre. Franchement, c'est trop joli. Alors moi, je fais ça, je vous ai dit, hein, pour le mariage. Vous pouvez le faire pour les baptêmes, les circoncisions, toutes les fêtes. Oui. Aïe, haja, ce qu'on dit là. ديروا هذا الشيء في العراسات ولا في السبوعات العقيقه ولا في الطهاره ولا كل حاجه.
Oh, franchement, c'est trop, trop beau. Et franchement, c'est simple. Hein. Oui, les anniversaires. Cucci, libretto d'ero. Voilà. Voilà. Maintenant, la poudre rubis. C'est joli, le rouge. Oh, chauffe-eau. Oh là là, magnifique. Oh, avec le chocolat blanc, ça fait trop, trop bien. Chajazine, la chocolat but. Inch'Allah, ça fait trop, trop joli. C'est trop trop beau avec le chocolat blanc. Ça c'est la couleur rubis. L'aune qui est couleur rubis. J'ai acheté, vous savez, dans le magasin Zodio, là où j'ai fait le... Là, j'ai fait aussi une petite vidéo. Donc voilà. Voilà, là je vais terminer avec les autres. Et puis je vais vous montrer le final, comment ça fait avec le plateau et tout ce qui va avec. Allez, à tout à l'heure. La recette est terminée. Je vous montre un petit peu le final. Voilà. Franchement, c'est facile à faire. Sans cuisson, sans rien du tout, à part faire fondre le chocolat. Donc, chocolat blanc, chocolat noir. Vous pouvez faire du chocolat au lait, comme vous voulez. Gerga, loz, noisette, ce que vous voulez. Mettez des raisins secs à l'intérieur. Moi, j'ai mis des noix. Et voilà, Inch'Allah, Timna Inch'Allah et Ajibukum. Voilà, Ngulkum vidéo khra, Inch'Allah. À la prochaine vidéo. Inch'Allah, n'oubliez pas. Abonnez-vous. Et voilà. Et là, Ajibukum, laissez un commentaire. Matinsaouch. Inch'Allah. Allez, salam alaikum. À très bientôt. Thank you.